pour deuxième édition. Zami auditeurs, bonjour. Bien que nous pas joindre signal international là, parce que nous avons un problème net là, dans la radio là. Donc, nous pas joindre monde qui dit nous si à bord. Nous va connaître si la radio arrive à l'échelle internationale. De toute façon, Zami, nous fait nous signe, s'il vous plaît. Vous avez probablement pas quoi en aller, parce que, avant le journal a commencé, un pile Zami qui est en fait nous connaît à bord. Donc, de vous pas joindre signal, c'est que la radio a parlé. Et Moril Gatro, qui est encore? Balakov. Balakov. Dans le festival Miami. Oui. Ah, il y a un festival là, non, qui est net là, dans le menu là. Donc, monsieur Gade, ça n'a fait pour bas international là. Journal là pour nous, s'il vous plaît. Bienvenue dans le développement journal là. 23 mai, c'est date pour migrants haïtiens qui ont même déjà bénéficié de programme TPS là qu'on est sorti aux États-Unis. Donc, qui ont battu en bas là, puis là, dans le moment où on a parlé là, puisque on a une nuit qui est plus longue dans la vie, c'est une nuit à square. Puisque c'est demain, il y a qu'on sort. Il y a une situation qui crée une panique, la carré sorti sans ça. C'est qu'après vous m'aider 45 l'année qu'a vu Orlando qui pas souhaité vivre illégalement sous territoire américain encore dans cadre démarche gen ambassadeur haïtien dans Washington Paul Altidor qui montre les confiants après diverses rencontres réalisées avec autorité américaine yo bon bagaille qui capable sortir dans sens positif pour freiner action yo reportage offre des sources. Tristesse, désolation, pas de mots encore pour décrire voix après vos médias, yon migrant haïtien 45 ans qui vivent Orlando dans l'État Floride depuis presque 7 années. Expression qui n'envoie citoyen ça, montrer inquiétude li face à doute qui gagne sous renouvellement programme statut protection temporaire pour haïtien yo avant 23 mai 2017. C'est panique totale, le fait que Progrès qui dit, généralement, chaque les avoir arrivé sous l'administration Obama, il était guettant, ben, mon date pour guettant réappliquer. Pour le moment, c'est différent, tout le monde était attendre, tout le monde est des monde qui est inquiet. On s'attend que des monde qui est positif. Moi, j'étais positif. Moi, je pensais qu'on bagay cap dit, qu'on bagay cap fait. Migré aux États-Unis en novembre 2010, soit 10 mois après drame, 12 janvier, Prévost Médé a travaillé dans le parc attraction Disney World depuis quelques années, grâce à l'avantage TPS là-bas et migrants. Contrairement à quand l'autre compatriote, Prévost Médé n'a pas compté vivre illégal sous territoire américain si administration Donald Trump plan pas ta renouvelé TPS là cap expiré 22 juillet cap venir là pour migrants haïtiens yo obligé viser stratégie nous l'audience en ce qui me concerne pas quoi m'a prêté vie illégalement sur territoire américain même pour une minute retourner dans le pays pour s'attirer notre possibilité. Papa de petite Prévost Médé c'est une parmi 60 000 haïtiens qui trouvaient eux dans même situation ça. Goula Perez qui vient développer la caillou après directeur provisoire service citoyenneté à immigration John McCament recommandé pour pas renouveler TPS haïtien pour 2018. Dans quatre démarches au temps main autorité haïtienne à travers ambassade Haïti aux États-Unis souhaitait ouais extension programme ça pour 18 mois encore. En attendant, nouvelle administration Moïse Lafontaine rive mettre pays à sur rail développement. C'est dans contexte ça une rencontre déroulée dans Washington lundi 15 mai entre ambassadeur Haïti aux États-Unis Paul Altidor, ministre affaires étrangères haïtien Antonio Rodriguez, secrétaire sécurité intérieure américain John Kelly et directeur provisoire USCIS là John McCament. OK, appelé à une extension et est-ce que l'extension va aller sur 12 18 mois j'en demande là moins beaucoup là mais par contre discussion est en cours toujours non seulement avec John Kelly au niveau du département de Homeland Security. Jusqu'à hier, on était en conversation avec la Maison Blanche sur ce dossier ça. C'est-à-dire que dans pile discussion qu'a faite au niveau de toute agence en dans le gouvernement américain, mais quelque part, et entre maintenant et le temps de décision en plan, il y a une discussion qui est toujours en cours, espérant qu'il y a pu comprendre la position haïtienne dans mieux.
c'est plus passé 60 000 Haïtiens qui risquent de être déportés si le gouvernement américain n'a pas renouvelé le programme statut protection temporaire TPS 23 mai qui a venu là. Ça qui a aggravé la situation plusieurs milliers de familles en Haïti qui dépendent de Mounsayo, côté situation vient plus vulnérable après passage ouragan Matthew. Information nous arrivée jeune fait qu'on ait plusieurs bénéficiaires TPS qui commencent à rentrer dans le pays. Mais malheureusement, personne n'est pas disponible dans l'Office national migration pour confirmer information ça. On a fait qu'on est, c'est plus passé $450 américains, yon migrant haïtien besoin pour appliquer pour TPS, contrairement à migrants quelques autres pays. Ça qui est capable à cause pays États-Unis perdu environ $23 million année ça seulement, s'il n'est pas renouvelé TPS pour haïtien yo. Orfa des sources. Caraïbes FM. Merci, Orfa Dissous. Président haïtien Jovenel Moïse révélé qu'il écrit avec homologue Donald Trump pour solliciter renouvellement TPS qui est au bâillé avec plus passé 50 000 frères d'action qui vivent dans des conditions irrégulières aux États-Unis. L'être là déjà allé, donc c'est tant de m'attendre. Sa cap sorti, c'est sa chef l'État, Jovenel Moïse, déclaré dans une interview exclusive libre avec Radio-Télévision Nationale d'Haïti et gain confrère Jonas Coup qui était là tous sous 100 premiers jours dans Palais National mardi 16 mai 2017 là. Li fait qu'on est recevoir d'un coup 50 000 haïtiens tapon choc pour pays hein. Parole Jovenel Moïse qui soulignait que beaucoup nos compatriotes ça travail et représenter eh ben yon plus pour économie américaine également. Donc, dans une mission tout dernièrement dans Washington, délégation Association des industries d'Haïti a dit qu'il était fond tête à tête avec une quarantaine sénateurs, avec députés américains, avec cadres exécutifs là pour te plaider pour renouvellement TPS là. C'est ça. Eh ben, journal l'an confié a dit George Sassine était déclaré par journal l'an, journal national a dit qu'il même en pour priorité occuper des questions importantes ça comme renouvellement ça après les Caribbean Bassin Partnership Act et ça a les nécessités pour capable faire poursuite financement Better Work là dans bureau international là qui fait certification usine. De toute façon président Jovenel Moïse dit il est très confiant que probablement a bonne réponse positive que le joindre autour des interventions ça le fait côté bon côté homologue Donald Trump sous café national la question TPS là. Oui, donc demain c'est dans date 5 que il doit décider l'état américain doit décider sous question ça et d'après ça dans PC là dans article nouveliste mais qui était sorti bien avant donc si ça pas fait c'est pas une décision qui prend demain donc TPS là la renouveler automatiquement pour 6 mois d'après ça qui écrit dans article une connaît gagné plusieurs membre Black Caucus là dans Congrès américain qui yo même été écrit avec gouvernement américain pour que yo l'été autrement de yo renouveler et prolonger TPS là pour citoyens haïtiens. Tout à fait, Napton, ça cap sorti. Député circonscription Cabaret, Joseph Manès Louis, mandé député majoritaire dans la Chambre des députés pour bousquer moyen interpeller tout ministre dans le gouvernement qui est impliqué dans l'augmentation du prix produit pétrolier sous marché. Député en critiqué comportement pouvoir, il dit qu'il a dégradé plus ses conditions vie population haïtienne dans la décision qu'il prend pour augmenter le prix gaz là sous marché. Député a reproché pouvoir en plus qu'il a refusé forcer grand nègre yo paye dette yo gen pour l'état pendant yo plutôt décidé rendre pi pauvre si la yo qui était déjà bad lok pas même ka feb. N'attendé député Joseph Manès Louis nami ko Winchel Adrien. Présence ouvrière dans la rue, on voit les très significatives dans la mesure où nous tous connaissons carburant et son produit transversal et depuis le gouvernement te prend décision ça nous connaît t'a fait mal avec le peuple là avec moun qui dans couille défavorisé et mais c'est normal yo là ouais il très significatif ça fait là ouais vient devant parlement ça veut dire que parlement nous te dit c'est pour ce peuple là l'or et parlement ouais c'est peuple là c'est des sénateurs des députés maintenant qui là pour qui défendre l'intérêt population donc fait, nous c'est dernier rempart côté Ovini. Donc nous-mêmes, j'ai un collègue Bossedo là,
eh bien, nous avons le pouvoir pour nous inviter, nous avons le pouvoir pour nous convoquer et nous avons le pouvoir pour nous interpeller. Et même si nous sommes en minorité au niveau de chambre des députés, question carburant ça, matin, on voit dans nouvelle liste, eh bien, et le ministre des Finances l'a dit, c'est au fur et à mesure maintenant, il va le monter carburant. Eh bien, nous-mêmes, comme étant nous en vacances, contrôle pour nous faire à travers la commission qui est en permanence. Moi-même, c'est secrétaire rapporteur et la commission commerce. Malheureusement, je cherche des mathématiques et des collègues de Cavaillon. Je ne peux pas venir au téléphone pour être capable d'inviter le ministre commerce pour nous expliquer devant la commission. Mais nous n'avons pas écarté des possibilités pour nous arriver jusqu'à l'interpellation des ministres qui concernaient dans le crime ça contre la population. Pour qui ça? Même quand nous sommes en minorité, nous ne pouvons pas créer maintenant faire une action comme ça. Pour qui ça? Eh bien, débat n'est pas le fait. Eh bien, si le gouvernement pas fait bac sous Jean la montée carburant là, et nous-mêmes nous obligés d'aller jusqu'à l'interpellation de l'ensemble des ministres qui concernent. Pour qui ça? Eh bien, le ça, si nous étions concernés par rien, hein, c'est comme si, eh bien, peut pas avoir besoin de voter nous en dans le Parlement. Et nous-mêmes, nous avons dit, eh bien, nous avons des avantages qui attachés à la fonction nous comme parlementaires, mais nous qui votons nous, il n'y a pas gagner d'ailleurs. Donc, ça fait que c'est nous-mêmes qui pouvons défendre et nous ne pas hésiter pour nous faire ça, pour nous faire en tant que minorité. Donc, quitte à majorité, quitte à bloc qui majorité en dans la chambre député, pour le peuple, pour prendre responsabilité par rapport à la situation ça, qui mettez le peuple haïtien dans une situation extrêmement difficile. Il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à voir l'école, il y a pour un carburant qui a monté et qui a monté au fur et à mesure dans l'école. Et nous, quand nous, peuple haïtien pour l'aller voir l'école, là, qui t'a voir l'école, pas qu'il travail. Et moi, je vais tout profiter, dit ça à l'opinion nationale et internationale, gagner douane. Tout le monde connaît, et bien son patay gâteau qui est fait, et bien il faut questionner les gens qui devant la douane, et comme ça, il ne va pas rentrer dans l'État. Gagner, par exemple, actuellement, contre le monde envahi VIA, le ministre financier va faire un rien pour ça, et à mettre pour me parler de cimenterie nationale, côté l'État actionnaire dans cimenterie nationale, quatre victimes de concurrence souterrain, contre le monde. Il en a de même pour la phytominoterie. Tout entreprise a eu, l'État actionnaire là-dedans, alors qu'il y a victime de contrebande, et toute frontière est ouverte à la contrebande. Tout ça mène dans un scandale qui passait au niveau douanes. Donc c'est des scandales. Donc nous-mêmes n'avons enquêté pour nous capables d'essayer de gagner plus d'explications sur la gaïsa. Et il n'est pas normal pour que douane nous et pour que frontière lui-même lui ouvre maintenant à la contrebande, alors que ça a crasé la production nationale là. Bon, de toute façon, et quitte à parlementaire lui-même pour lui capable de défendre tête, parce que si on dévote et lui-même pour comprendre que c'est parlementaire, il n'est pas qu'à foutre tête, il n'en est pas de bagaille. Donc, on n'a pas gagné toutes les informations sur ça, mais parlementaire, si tout le monde est impliqué, c'est lui-même qui pour aller fournir explication, parce que pour le connaître, Rolli, est-ce que c'est pas dans le Parlement Rolli? Rolli là pour le proposer loi, pour le voter, pour le faire contrôle, etc., pour le censurer. Ministre qui a pris des décisions. Un petit peu. Voilà, au top côté député Joseph Manès, lui, en tout cas, tout auditeur audio connecté hein, sur Internet. Là. Tout le bagage passé est très bien. Ouvrier Sonapi au Tepi le béton vendredi passé pour exiger un salaire minimum 800 gourdes à qui ont code de travail pour protéger le travail et puis dénoncer un mouvement anti-syndical. Et puis le patron a fait contre eux pour constater qui était fini manifestation devant local parlement haïtien. Il a bloqué circulation pour exiger parlementaire autant des revendications. Pour parole syndicat plateforme usine textilio Télémarc Pierre qui déposait cahier revendication dans le parlement. Fait qu'on est, il a occupé béton jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites. En côté déclaration, la micro Lydia Alexandre. Objectif nous était dans la rue à journée jodia, c'est clair, c'était pour nous exiger que le gouvernement Moïse Lafontaine tente de voir la raison pour fixer ça le minimum à 800 gouttes ou Sénat campé sous processus loi cap amendé 16 articles dans le code de travail là qui a retiré ensemble avantage social que nous avons déjà gagné. Particulièrement pour les gens qui veulent travailler dans la nuit, qui gagnent en majoration 50% qui veulent recevoir. Nous demandons pour que vous poursuivre à processus de code de travail là, pour permettre l'immigration dans le bout de pour gagner un autre code de travail qui protège toute catégorie de travailleurs dans le pays. Nous disons tout, il faut que le gouvernement, à travers DGI, campe sous processus pour
13% IRI avec impôt qui va prendre sous nous, parce que là on touche 3000 gouttes et sur chaque 100 dollars il y a près 13 dollars sous nous, il fait un grab d'ail, il fait un bon bagaille pour le gouvernement. Nous-mêmes, c'est dans la poche gouvernement, là, lui-même, il sortit dans la poche nous. Gaz là qui augmente, là, tout prix produit, mais nécessité, monter sous nous, et ça, là, nous, il n'y pas augmenté, il n'y pas même ajusté, il va augmenter. Et c'est pour cette raison ça, nous dit clair, une bonne pratique anti-syndicale qui a fait dans différents facteurs, tant que ça fait, dans Quality Soin, dans HH Textile, dans Carrefour, dans Premium Apparel et dans Val d'Or, dans Vasco, et dans l'ISCO, dans Sous-Zone Aéroport, nous clair, revendication nous. Dès que si on satisfait, on a rentré. Mais si on pas satisfait, demain matin, manchons dans la rue. Et nous devons là pour nous déposer car une revendication nous à travers la commission affaires sociales de Bosch Parlement pour que le sénateur accompagne nous dans le mouvement, dans la revendication nous. Et c'est l'objectif là ça. Si pas rien qui dit, mobilisation il y a continué, monsieur. Et la démonter. Qui s'aligne là-dedans? Il y a ensemble points énumérés là-haut, qui sont 800 gouttes comme salaire minimum. Il y a accompagnement social, par exemple, en transport, manger, logement décent. Il faut qu'il y ait des organes de sécurité sociale là, qui sont ONA avec OFATMA. Il y a bail des prêts au logement avec ouvriers. C'est nous qui cotisons, c'est nous qui baillons l'argent pour on a fonctionné. Mais si l'argent nous, c'est pour nous qui a prêt qui pour construire caille, nous-mêmes, nous ne devons pas intéressant pour nous. Ça veut dire qu'il montrait que nous ne sommes pas obligés de gagner un organe de sécurité sociale. Parce que là, on continue à l'argent, nous avons l'autre question avec nous. Et c'est pour cette raison, nous disons, ensemble, nos revendications, nous campons derrière, il faut que nous satisfaits. Si pas une satisfaction là-dedans, mobilisation, manche longue, Gostra CTSP, CNOA, qui c'est Centrale Nationale des Ouvriers Haïtiens, Placid Box, c'est plateforme syndicalisme textile, nous dans la rue. Oui, il y a ADI, qui c'est l'association industrie d'Haïti, qui exprime inquiétude après journée manifestation ouvrier vendredi passé. Un autre qui porte signature, Georges Sassine, président association ça, ben, il fait connaître, et association, les inquiets pour sécurité personnelle, avec matériel, entreprise, exportation, il y a une sonapi, à cuisine qui trouve l'aéroport. Donc, association, en sens ça, dit, il est obligé et fermé Portio samedi qui passait un jour jeudi lundi 22 mai 2017 là en façon pour mettre à autorité au prendre disposition nécessaire association fait qu'on ait gagné un pile d'entreprises qui était pénétré avec force par militants qui syndicalistes ils étaient forcés ouvriers yo et ben quitter espace pour manifester dans la rue donc puis loin a dit de reconnaître droit ouvriers yo pour faire manifestation grève. Toutefois, les considérés ça grave et puis catastrophique que gagnent donc des mounes qui a pas forcé employés au prend la rue et d'après ça a dit fait qu'on a côté gagnent des leaders syndicales qui senti incapables sensibiliser ouvriers pour réaliser une grève non norme à respect la loi côté yo plutôt a forcé employés au prend la rue d'après ça a dit fait qu'on a côté yo l'autre côté les déplorer le fait que le ministre des Affaires sociales a travaillé là avec responsable sécurité nationale il a été avisé et mais pas de gagné en rien qui te prend comme disposition pour protéger local avec matériel entreprise. Gamet Evelte Fanfan qui est présenté tête lui comme avocat ouvrier yo dit le constater qu'il y a quelques mesures qu'a prend contre masse défavorisée. Maître Fanfan profiter dénoncer ça le relais une forme intimidation patron va exercer sur ouvrier on a fait une menace d'évocation. Maître Evelte Fanfan dans micro Lydie Alexandre. Et nous t'es clair des objectifs et mouvement ça que responsable syndical que ce soit Gostra, CNOA et Sota Tabro lancé pour que et une équation qui gagne une augmentation prix gaz alors que l'argent ouvrier descend donc nous pas la donne en même temps loi qui prend pour retirer avantage 50% monde cap travaille soleil couché nous pas d'accord nous constatons que en dans parlement bon majorité mais on pas tenir compte que majorité à ces peuples là donc on pas tenir compte de ça nous là aussi peuple là dans la rue aussi c'est pour que les clairs sur ensemble des mesures qu'a pris le pays qui parlent dans le sens contre
masse là contre ouvrier yo. Et pour nous clair, je dis, hein, si on n'est pas fait et que ouvrier dans la rue là pour quelques jours et toute autre revendication yo pas satisfait, on a prêté dans la rue. Mais on va qui plus important parce que il y a une grande intimidation qui commence contre ouvrier yo. C'est-à-dire pour révoquer opérateur, pour révoquer yo. Donc depuis qu'il y a une intimidation, on a renforcé mobilisation et nous pas quitter. Ça veut dire si on green dans ouvrier qui révoqué, on a prêté dans la rue jusqu'à ce qu'il y ait intégré. C'est-à-dire son mouvement qu'a fait là, il y a pas besoin de tenter pour écraser parce que mouvement ça, il est pas écrasé. Il y a pas besoin de tenter les personnes monde sous côté, mouvement ça pas écrasé. C'est pour raison ça, nous lançons appel à l'État haïtien pour reconnaître que je dis à la grande majorité qui a un clou augmentation gaz à sous dol, dit-il pas capable. Et pour nous dire, patron, yo, ça n'a pas dépend là, c'est des bagailles que nous avons droit, c'est droit, nous, c'est revendication, nous, qui est juste, qui est morale et qui est légale. Président de la Commission Affaires sociales dans le Sénat République, dans le sénateur Antonio Cherami, dit Don Kato, dit le prend note concernant ensemble revendications, syndicat ouvrier Sonapio qui continue à exiger plus bonnes conditions de travail avec un salaire minimum 800 goudes. Sénateur Antonio Cherami qui est menacé, convoqué ministre Affaires sociales là, à travailler là, Roosevelt Bellevue, dans un temps qui n'est pas trop long, promettre pour le continuer bataille dans tête coulée avec quelques autres collègues pour lui permettre revendications ouvriers, ouvriers, satisfaits. Action Antonio Cherami, Namiko Johnny Ferdinand. On était suite à déjà avec le syndicat qui est responsable de tout le travail qui est là aujourd'hui. Et je connais les revendications déjà. Je connais tout le bagage qui monte dans le pays. C'est seul salaire nous qui va monter. Je connais ça déjà. Et c'est un problème que je me pose déjà. Même je nous garantis, je dis à nouveau nègre qui est responsable, nouveau sénateur. L'Ouest là qui est responsable de la Commission Affaires sociales, nous ne pouvons pas négocier rien. Ce que ça nous-mêmes n'a pas demandé. Et nous ne pouvons pas garantir le mouvement, ce mouvement jamais de dolier. Nous avons campé derrière. Il y a un bagaille que m'a félicité nous. Nouveau syndicat qui va pas le vendre. Même j'ai le mouvement gaz là. Oui. Dans des populations. Et puis on quitte la population aujourd'hui. Des bois bandiers pour contenir. À boumer avec chauffeur pour résoudre le problème gaz. Mais nouveau syndicat qui vient là, qui chita. Revendication. Non, même déjà. Et je dis à mon sénateur Nenel qui est en recevoir ça nous côté là. Pour le travail. On va nous garantir d'ici jeudi même. On peut inviter le ministre des Affaires sociales à venir chita là parce que moi, la marron, je ne vais pas ça la marron. Après venir chita même, il préfère râler nous sous côté. Bien content, bien content de ne pas quitter nous. Syndicat pas quitter nous. Syndicat pas quitter nous parce que bataille, ça, c'est une bataille, bataille maman qui dit qui fait retour sur le travail. Le pays calme, fait un peu de pétrole, le gaz monté, l'argent monté, l'argent monté, madame Sénat, ça n'a dit à moi, vivre chaque jour, parce que vous jouez, sénateur, après a dit dans le monde par gaz, aujourd'hui à moi-même, comme responsable, nous passons comme des vidéos, vivre jeunes, nous disons, mais avant nous, jamais, mais pas de problème que le Seigneur, le sénateur qui prend la main. M'habitue pour un m'habitue pour bataille, m'a pas faibli, vous connaissez ma bataille, oui, vous connaissez la bataille, nous bataille pour ça qui est juste. Je ne fais pas politique, c'est pas politique que je fais avec dossier ouvrier. Je suis venu là aujourd'hui, je vais chiter dans tête à tête avec le ministre pour voir comment le problème est résoudre pour ne pas paraître un bagaille politique, mais pour ne pas être une bataille ouvrière à mener pour soulager la vie. Sénateur Antonio Cherami dit Don Kato pour ses intimes. Les coalitions employées révoquées l'État haïtien yo, qui mandé chef l'État pays, Jovenel Moïse. Moyen penché sous cas plusieurs milliers d'employés qui étaient révoqués dans l'administration publique là, sans raison, et en façon pour améliorer les conditions de la vie, maman, papa, petite, ça yo, qui continue à vivre dans de très mauvaises conditions. Responsable coalition, employés évoqués, yo, profité dénoncer, divers mouns, yo, dit qu'il a pu utiliser non-employés évoqués, yo, pour régler les affaires personnelles, yo. Yo, t'es dans le micro, Galine Maurice.
Il y a des mercenaires qui ont marché, mandé sous non-mouvement employé révoqué. L'en considéré, gagné qui courit à le rencontrer avec le président de l'Assemblée nationale, là, qui c'est le sénateur Yuri Latoti, qui dit c'est le président du mouvement employé révoqué. Employé révoqué, on est qui a quitté le mouvement. Je dis à Isaac Pay, nous avons une conférence là pour nous présenter liste là, pour nous dire sénateur, attention à ce mouvement employé révoqué, parce qu'elle gagne longtemps. L'absolu mouvement ça, il y a plusieurs dossiers employés révoqués qui n'ont mis président de l'Assemblée nationale là. Deuxième point, on dit à président de la République là, depuis 2004, 2007, 2008, environ 5000 mamans à quoi papiti qui ont révoqué dans Téléco, 1259 personnes dans ONA, 1370 dans SNCRS, 1411 dans APN, plus 541 débattés toujours dans APN. Dans ce sens, on a demandé à chef de l'État, qui c'est président tout haïtien sans distinction, excellence, employé révoqué yo a demandé ou même Jean saute prend pour parlement dans carême nan. Pendant ou mette yon commission pour gérer militant PHTK yo, nous mandé ou penser à dossier employé révoqué yo. Lè yon papa pa travail, lè yon maman pa travail, éducation timoun yo gâché. Ça veut dire qui ça? Ou pendant yo révoqué environ 10 000 maman papa petit yo la gen dans la rue, gen plus timoun kap siye machine dans la rue, nous vle président pencher sous dossier ça pour que timoun yo capable brancher mes l'école pour pas tourner délicat en dans société. C'est ça qui fait nous pas une conférence de presse ça là jodi a pour nous dire président il saute parler il dit il prend bail subvention avec organisation nous voulons le prendre cas employé révoqué en main pour le premier toucher yo pour yo capable quitter la rue ça employé révoqué yo considéré tant coup Faustin Soulouk yo t'a prendre tigouave yo t'est venu faire le président et puis nèg yo comprendre yo t'a pas manipuler pour faire son jouet dans sens ça nous dit président cacher pantalon dans taillou, assumer responsabilité pour que l'employé révoqué soit capable de quitter la rue. Journal tout pays a fait chemin sous Caraïbe FM, il fait exactement 6 avec 2 minutes dans le matin. Bienvenue, n'a continué. Divers étudiants finissant promotion 2012-2016, l'école normale supérieure est plantée piquette. Le jour vendredi 19 mai 2017, là, dans la cour locale ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle, dans la zone, pour continuer à exiger l'aide nomination après période stagio. Étudiants SAO dénoncé comportement ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénor Cadet, qui, d'après ça, dit refuser de prendre responsabilité face avec ensemble revendications, plusieurs couches qui dans le système. Non. Alors que les pitots ont marché, fait belle promesse dans la radio, pas si pas là. N'attendez Guéry Désir avec Oman Primo, étudiant finissant dans le département sciences sociales et philosophie, Yodenamiko Ganito François. Étudiants l'école normale, on l'autre fois encore, vient dans le local ministère à Nazon pour réclamer la nomination. Nous venons la journée parce que nous prenons le ministre Kadè au mot. Ministre Kadè, dans 5 mai qui se passe, le ministre Kadè fait connaître que il y a 50% de la nomination qui prend. Et toute semaine passée, elle a fait tourner dans les médias pour faire connaître que toutes les lettres ont rédigé déjà et que messieurs dames, école normale, on prend le nommer. À plusieurs reprises, nous venons là, nous venons ouais. Directeur Jos, nous venons ouais, directeur Maxime, à plusieurs reprises nous contacter, député Kitel, pour nous capables de faire une vérification que l'ennemi a fait vraiment vrai. Il y a plein de roulés nous faire. Chaque l'année vient là, il y a dit nous. Soit nous pas courant, soit on montre nous on kip gris, on kip gris de stage qui passait déjà. Nous même nous venons là aujourd'hui pour dire ministre que nous prenons au mot, un personnage public, pas qu'à parler dans les médias pour la baille menti, pour la basse société à menti. Nous souhaitons, aujourd'hui à même, pour ministre pas responsabilité, pour le bail étudiant école normale, l'être nomination qui a réclamé depuis 2 ans. Nous avons contact avec le ministre depuis nous avons manifestation PACO le 5 mai. C'est là ça, nous barre le ministre, nous avons été gênés. Le ministre a fait connaître que la nommé nous, 50% de l'aide qui est en fait. Le ministre n'a pas jamais entré en contact avec nous depuis lors. Nous écrit, nous relève. Nous venons là, il va jamais nous accès avec direction de sous-humaine pour nous capables de voir est-ce que oui ou non l'aide, monsieur, dame, école normale a fait et ceci dans bonnes conditions. Ça veut dire par contre, quelle négociation, par aucun pont, par aucun lien entre nous avec le ministère, puis dire nous, monsieur, école normale a nommé. Nous-mêmes, étudiants école normale, nous venons là, okay, nous décider pour nous rester là pour dirigeants ici, pour directeurs, pour ministres, pour nous mettre. Je dis à même, qu'un groupe étudiant qui décide depuis longtemps, il là, jusqu'à ce qu'il y ait une nomination. À dire à partir de jeudi, un groupe étudiant, ça va tout être là. Nous ne pouvons pas attendre encore, parce que ça fait trop de temps, ça fait à peu près 2 ans. Depuis que nous avons menti, depuis que l'autorité est compétente dans le pays, à prouler nous nos farines. Nous-mêmes nous crions, nous relais, nous l'aide
nomination nous. Si nous pas joindre lettre nomination nous là, n'a pas à briser parce que c'est nous mêmes qui est compétence parce que c'est le cadre encore qui décide entre école normale supérieure avec ministère de l'éducation nationale pour nous faire stage et pour nous nommer. Nous faisons stage là déjà, il y a refusé par nous nomination nous. Ça fait longtemps, à peu près 15 jours depuis on dit nous 50% lettre nomination nous. Qui prêt et jeudi à nous rendons nous compte que les gars c'est une farine à bouler nous. Nous pas content encore. Nous prêts pour nous casser briser pour belle nous lettre nous mais nous. On parle Union nationale normalien haïtien UNO annoncé en sitting le même l'a démarré à clé devant l'école normale supérieure là demain mardi 23 mai 2017 là il y a un mouvement d'après responsable UNO pour aller continuellement des gouvernements prendre revendication professeurs et élèves en considération et en même temps profiter dénoncer montée prix gaz sous marché reportage Marc Gesson Philistin. Union nationale normalien haïtien s'est monté 7 fois 77 fois yo pas camper dans route là ça ça UNO demande tout le monde lever camper mobiliser. Pour qui ça? Pour nous exiger que le gouvernement sorte dans le 8e dilatoire là et pour les solutions qui attendent et pour la crise capable de solutionner. N'abdi pas qu'à gagner aucune trêve, c'est pas une solution portée. Nous invitons tous les professeurs, étudiants, élèves, parents, toute population. Rejoignez-nous devant l'école supérieure mardi 23 mai. Josué Mérilien dénonçait en l'autre bord président de la commission éducation à chambre député à Kételje Philippe. D'après lui, il a tâché boycotter le mouvement en CAE. Moi-même, mesdames, Kételje Philippe, qui est président de la commission éducation à chambre député, a fait avec des syndicalistes qui ont couleur jaune dans le secteur éducation pour garder ce qui a cassé le mouvement, mobilisation, professeurs, élèves, étudiants qui démarraient depuis quelques temps. Moi, le gouvernement, pour le 6 mois de dilatoire, avec des syndicalistes jaunes qui font des garanties de casser le mouvement, est-ce que vous n'êtes pas capable? Il n'y a pas seulement à prévendiquer pour le système éducatif là, qu'à jeune, il y a un bon traitement. L'Union nationale normalien haïtien, il n'y a pas de normal pour que le gaz là monte sur le marché. Il y a une décision inno-qualifiée criminelle. Les gens qui montent le gaz là, c'est criminel! Ça a plus passé 25 années depuis la bataille pour essayer de mettre sous des pieds le système éducatif là qui soumet qui ça gagne longtemps. L'Union nationale normalien haïtien dit li seulement obtenir autorité ou pas responsabilité. Marc Gesson Philistin, Caraïbes FM. Merci Marc Gesson Philistin. Toujours dans sa guerre rapport avec l'éducation, le ministère de l'éducation nationale, dans tête collée avec INFP, lancé un groupe sectoriel dans affaires formation technique et professionnelle pour partager avec partenaires économiques et financiers yo vision yo pour développer secteur professionnel là qui négligé dans le pays. C'est une opportunité pour développer Haïti d'après le ministre de l'éducation et formation professionnelle là qui croit un moment arrivé pour l'admettre dans le secteur grâce avec Daniel Roy qui portait sous création et puis modernisation formation secteur professionnel. Professionnel là qui déjà voté dans la chambre des députés. Ministre Pierre-Josué Agénor Cadet, dans le micro Pierre René René. Ça qu'a fait là, son bagage qui est essentiel, son bagage qui est motrice, son bagage qui est bon en pile, non seulement pour santé, éducation, santé ministère, éducation nationale, mais tout pour santé pays d'Haïti. On a lancé là, je dis, un sous-groupe, ok, un groupe sous-sectoriel, formation et technique et professionnelle. Faut que nous disions, son bagage pays a des besoins depuis longtemps. Et directrice générale de l'FPA, Maggie Durcé, eh bien, je dis à la lancé de concert avec toute part les financiers techniques, économiques, tout, et bien côté, on peut le travail de manière pour nous, on l'autre pays d'Haïti. Pour nous capables de réinventer, j'en recule notre slogan, et bien l'avenir pays d'Haïti. Or, nous connaissons aujourd'hui, en 2017, nous pas parler de développement durable, de développement tout court, si nous ne mettons pas l'accent sous affaire formation professionnelle, sous affaire formation technique. Nous pensons que il est temps pour l'État, dans toute ensemble, pour les accorder en grande importance à sa nouvelle formation professionnelle et technique. Nous-mêmes, par exemple, qui là comme journaliste, nous avons pris formation pour journaliste. Même caméraman, nous avons formation pour caméraman. Mais en Haïti, même j'avais, nous connaissons, nous n'avons pas quatre bons métiers pour nous exercer sans pas de formation pour nous. Et si tu as une formation pour nous, nous avons un plus bon résultat et nous avons un plus bon pays côté de la gauche mieux.
Alors, ministre Angelou, quand tu problème dans le pays à la côté, en pile l'école technique professionnelle, toute qualité, c'est ça, ça donne un coup de jonjon. Qui mesure, ministère Abraham prend sous rayon là pour t'en mettre en structure pour contrôler l'école ça y est, kabay, en série de coups? Série de métiers, on connaît bon bagay, bon profession que capable de diviser en trois branches, puis afdou tel domaine qui contrôle nous va le mettre sous ça. Bon, premier bagay Mabdou, c'est que bon, c'est une très belle question, mais c'est pas seulement dans niveau formation technique professionnelle, non, sont des autres qui généralisent le niveau formation même dans l'enseignement classique, dans l'enseignement supérieur, donc c'est tout côté que les autres, et bien c'est mettre l'autre dans ça et pour commencer nous faisons sur l'autre là nous sommes dans 200 000 dans le Parlement notamment dans la chambre d'éviter à côté de la loi qui votait et bien qui portait et bien sous affaires organisation métier à provision donc quelques jours qu'on vit encore n'importe monde pas qualité carrément pour libéraliser c'est un métier sans pagain un certificat un bagage qui dit il est capable d'exercer donc nous garantis que nous mêmes et directrice et INFPA avec tout responsable enseignement supérieur, responsable enseignement secondaire, responsable enseignement fondamental, et moi-même, ministre de l'Éducation nationale, nous allons travailler ensemble pour nous mettre l'ordre dans des ordres, côté pour gagner des balises qui va gagner pour nous rentrer dans les affaires formation. Parce que là, bah, elle n'a pas contrôlé, des plus de dégâts qui fait dans le cerveau, nous voulons former, passer nous en nos services. À travers l'initiative SA, INFP entend nous bailler valeur métier et formation professionnelle dans le pays qui doit venir un choix pour jeunes réaliser la vie. Absence formation professionnelle là, qui est pour avec niveau sous-développement pays qui, d'après Magui Ducé, qui plaide en faveur une formation professionnelle qui est intégrée dans le système éducatif là, puis en seule l'école. Directeur général INFP, Magui Ducé, dans le micro Pierre Renel René. Nous prenons l'initiative là parce que quand même nous gagnons presque 2 mois, moi-même avec le ministre là depuis que nous installés. Et nous déjà, puisque nous c'est 2 personnalités du système, donc nous comprenons la question. Hein. Donc il prend nous moins de temps que peut-être l'autre secteur pour nous guetter faire constat, pour nous capables de faire un état des lieux. Et c'est sous base état des lieux ça que nous rendons compte que formation professionnelle n'est pas valorisée en Haïti. Yo quitté le pour compte, les gens disent en français laisser pour compte, dans le sens que depuis qu'on a l'information professionnelle, c'est comme s'il pas arrivé plus loin. Alors que nous-mêmes, qu'on y est, de concert avec le ministre, et surtout par rapport avec l'aide cadrage gouvernement que le premier ministre l'a fait présenter, nous rendons compte qu'il faut généraliser l'éducation en général.